Donnez la santé, gagnez la santé avant tout. Mesdames et messieurs les membres de la presse, distingués invités, tout protocole strictement observé. Dalen ak diam, jerejef ci sen tewaay. Nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver ici dans ce cadre chaleureux de Thiès. Thiès, ville de refuge, comme aime si bien le dire le maire de Thiès. Thiès, ville carrefour, mais notamment carrefour ferroviaire. Et ce 23 novembre 2023 pour la cérémonie de dotation en matériel didactique pour les laboratoires de compétences des écoles privées de formation en santé et des sites de stage clinique partenaires du projet Classroom to Care. Le projet Classroom to Care, C2C, d'IntraHealth est une initiative sur 5 ans pour améliorer les soins de santé maternelle et infantile en Afrique de l'Ouest francophone, spécifiquement au Sénégal. C'est pourquoi le projet couvre au Sénégal 4 régions. La région de Saint-Louis, avec l'école privée de formation en santé, et ESUP Saint-Louis, qui a ouvert ses portes en 2010, l'école d'infirmiers et infirmières Monseigneur John, qui accueille cette cérémonie aujourd'hui, créée en décembre 1995, l'Institut supérieur de santé de Kolda, ISSA de Kolda, unique école donc de formation des infirmiers et des sages-femmes dans la région de Kolda. Elle a ouvert ses portes en 2020. Et son directeur, Zakaria Diallo, conduit une forte délégation qui nous vient aujourd'hui de Kolda. Mbutu Santé de Kaula, qui a ouvert également ses portes en décembre 2006, et dont Mathias Massama est le directeur, est ici présent avec une forte délégation. Toutes ces écoles sont des écoles de formation privée en santé qui offrent des formations dans les filières suivantes. Licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmier diplômé d'État, licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme diplômé d'État, assistant infirmier d'État. Voilà donc les partenaires de Classroom qui sont dans 4 régions du Sénégal. Alors,
Si je prends la parole, c'est évident que c'est au nom de l'école. Et qui dit au nom de l'école, dit au nom de nos supérieurs hiérarchiques. Donc, au nom de toute la direction qui est chargée de l'enseignement privé catholique, à la tête Abbé Pierre Haye, nous vous disons un grand merci pour vraiment cette journée. Cette journée qui se justifie par la réception du matériel que nous allons voir tout à l'heure. Alors, je peux dire, nous qui sommes les acteurs directs de l'école, connaissons et mesurons l'importance de ce matériel. Alors, je ne serai pas très long. La joie est tellement immense que je ne trouve pas les mots pour vous dire combien vous êtes utile, combien on a senti votre présence. Ceci, je peux dire, c'est que, si vous voulez, la fin. Parce que pendant toute une semaine, pendant des mois, nous avons subi des formations. Et je pense que ces formations-là ne vont pas s'arrêter là, parce qu'il y a un plan d'action qu'il faudra continuer. Donc nous disons la bienvenue à tout le monde, un grand merci et que la fête soit belle. Dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet, quelques activités clés ont été réalisées, notamment l'évaluation initiale des 4 établissements de formation qui sont soutenus par le projet, suivi de l'élaboration d'un plan de renforcement prenant en compte l'équipement, mais également la formation des encadreurs. La formation de plus de 100 enseignants et encadreurs cliniques des différentes régions, notamment Kaolack, Kolda, Saint-Louis, mais également Thiès, sur l'approche par compétences. La mise en place des cellules internes d'assurance qualité au niveau de ces écoles, l'élaboration de feuilles de route pour l'accompagnement des écoles vers le processus d'accréditation, mais également et surtout l'orientation des écoles sur les questions d'équité, de diversité, mais également d'inclusion sociale. Mesdames et messieurs, chers invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin est une opportunité pour le projet de contribuer à la mise en œuvre des plans de renforcement de ces écoles afin d'offrir une formation clinique adaptée, mais également une formation clinique humaniste. Ce lot de matériel d'une valeur d'environ 120 millions de francs CFA est composé essentiellement de matériel pour les soins, mais également pour le suivi gynécologique et pour les activités liées à la contraception, telles que les modèles anatomiques des organes génitaux féminins, donc les mamans Nathalie CPN, mais également des modèles pour l'insertion du dispositif intra-utérin, des boîtes d'insertion, mais également des boîtes de retrait d'implants. Ce matériel est composé également de matériel obstétrical, comme des mannequins simulateurs d'accouchement, des boîtes d'accouchement, des tables d'accouchement et accessoires, des tables d'examen gynécologique. Un matériel de réanimation composé essentiellement de mannequins de réanimation du nouveau-né, de mannequins pour massage cardiaque, de simulateurs pour accès veineux pédiatrique, mais également des têtes d'intubation pour nouveau-né. Il y a également un matériel de nursing et de puériculture à type de pèse-bébé, mais également de toise. Un matériel également de soins infirmiers, un matériel également et enfin pour la mise en place du e-learning, à savoir des ordinateurs. Donc, sur le projet B, nous avons tout de classroom to care. Classroom to care, madame, nous avons fait filer. Madame, si vous avez un petit peu de temps, madame, nous avons fait un petit peu de temps. Madame, buñu commencé di jang naka lañuy fajé bañuy dem ñuy commencé di faj ci nit parce que comme niñ ko waxé sank ba tay
képp koo xam ne ne day jàng faj warul tëb rek commencé di pratiquer ci nit. Il faut nga am ay jumtukaay yoo xam ne fa ngay commencé fa ngay essayer ba ñi lay saytu ñi lay encadré ñu ne ah kii de mu nekk nii war naa mun a dem ci nit ki pour commencer di pratiquer. Mais dañu remarqué woon ne ay évaluation dañu wane ne au niveau du Sénégal monsieur Guèye wax na ko sànq pratiquement 80% des structures de formation école yi nga xam ne ñu ngi tàggat infirmier ak sage femme yi à peu près 80% c' est école privée mais bu ñu xaymaa formation bi nu muy demee dañu gis ne am na lu bëri loo xam ne daf ci manqué. Bu ñu defee évaluation boobu dañu ne benn kuréel boo xam ne dañuy wax Takeda firme pharmaceutique boo xam ne ñoom dañuy defar ay garab ñoom ñoo lëkkaloo Intra Health Sénégal ak ministère de la santé notamment direction de la la direction des ressources humaines avec la direction de la formation avec l'ANACSUP mais également avec le COSEPS ñu tëral benn plan boo xam ne naka la ñuy defee benn projet pilote boo xam ne dañuy identifier ñeenti école privée formation en santé ñu def fa benn li ñuy wax paquet d' intervention boo xam ne dina am équipement maanaam jumtukaay yi nit ñi di jàngee pour mun a faj nit dinañ leen ko jox dina am lu ñuy wax formation dañ leen di tàggat ci lu ñuy wax approche par compétence maanaam dafa am benn structure bu nekk en Afrique de l' Ouest bu ñuy wax OAS dafa ne tey fi mu nekk nii képp koo xam ne dañ lay tàggat ci wérgu yaram ci fat pour nga nekk fajkat am na lu ñu la war a tàggatee donc ñun suñu projet mooy recommandation organisation ouest africaine de la santé recommandation du ministère ñu jëm ko appliquer comme ça bu ko defee d'ici 2 ans d'ici 3 ans ñoom ay infirmiers ñoom ay sage femmes yoo xam ne ils seront très bien formés. Équipement yi bu ñu ko xaymaa mu ngi avoisiner à peu près 120 millions de francs CFA ci suñu xaalis. Mu nekk de dernière génération malheureusement école yëpp mënuñu ci bénéficier pour l' instant comme directrice des ressources humaines ni mu ko waxee projet pilote la rek mais bu ñu defee xayma bi bu ñu defee évaluation ñu xool ne vraiment projet bi am na njëriñ dina tax ba suñu infirmier suñu sage femme ñu gën leen tàggat ci tàggat bu jaar yoon peut être dinañu waxtaan ak ministère de la santé pour xool ci yan anam la ñu mun a def ba projet bi école de formation yi nekk Sénégal yëpp mun cee bénéficier. École yooyu buñ koy tànnel benn kuréel moo daje kuréel bi dirigé par direction des ressources humaines partenaires yëpp le collectif des écoles privées Intra Health donc ñun ñëpp ñoo toog écoles yi andi seen dossier ñu toog xool ban école moo gën a yelool ak li ñuy wax critère de sélection ñu tëral benn critère de sélection ba ñëpp nangu ci critère de sélection mais ñu xool ci école yi ñu am ban école moo gën a yelloo ak critère de sélection yi ñu tànn école yooyu ñu démarré liggéey. Le matériel qui a été remis aux écoles sous la supervision et la coordination du ministère de la Santé qui nous a permis de faire une évaluation des besoins et de voir ce qui pourrait manquer au niveau des écoles pour pouvoir améliorer la qualité de la formation. Donc, Madame la DRH, chers invités, je voudrais vous montrer un lot qui sera remis aux écoles. Donc, depuis la table d'accouchement, chaque école a reçu une table d'accouchement et une table de consultation gynécologique, mais également tout le matériel qui se trouve sur l'estrade est destiné à une école, pas à toutes les écoles, mais à une seule école. Et dans ce matériel, il y a du matériel informatique avec une imprimante,
des ordinateurs pour faciliter l'apprentissage en ligne. Il y a également du matériel qui permet la prise en charge globale de la femme en période gynécologique jusqu'à la période du postpartum, donc en passant évidemment par l'accouchement et les suites de couches. Il y a également un matériel important qui rentre dans le cadre de la réanimation du nouveau-né pour réduire quand même considérablement le taux de décès maternel. Il y a également du matériel pour la promotion de la planification familiale et nous sortons de Octobre Rose, il y a également du matériel pour aider les apprenants à mieux travailler, à pouvoir dépister précocement tout ce qui touche au cancer du sein et au cancer de l'utérus, qui est quand même une cause, une des premières causes de mortalité de la femme. Il y a également du matériel pour les infirmiers. Les infirmiers, vous n'êtes pas laissés en reste. Il y a également du matériel pour permettre une prise en charge globale d'un patient qui vient en consultation générale. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter le mannequin que voici, Suzy Simon, il s'appelle, en compagnie de mon collègue M. Diouf Michel. Donc, ce mannequin que vous voyez, comme l'a si bientôt dit Mme Gabrielle, a quelques particularités. Et la première est qu'il est multifonctionnel, permettant à un étudiant de prendre en charge globalement un patient, donc une femme comme un homme, sans pour avoir à le dépiécer totalement. Donc pour la femme, nous avons déjà les seins qui sont visibles. Et pour l'homme, nous avons l'appareil génital masculin qui est là, et juste collé au-dessus de l'appareil génital féminin. Alors cette connexion permettra donc de permettre de pratiquer certains soins tels que le cathétérisme vésical. J'y viendrai tout à l'heure. Autre facette que nous avons, que nous présente Suzy Simon, c'est d'abord au niveau oculaire. Donc la mobilité des paupières et sa constitution permettent déjà de pratiquer quelques soins ophtalmologiques tels que l'irrigation, l'instillation de colire, ainsi que l'extraction de corps étranger. Au niveau de la bouche, la constitution et la configuration même de la denture nous renvoient à un patient qui porte une prothèse dentaire, si bien que il est aisé donc de procéder à l'ablation même de cette prothèse et de la remettre après soin. Vous remarquerez que le thorax de notre mannequin est articulé. La plupart des mannequins ont le tronc est articulé, le thorax donc, et l'abdomen sont séparés. Ce qui permet à Suzy Simon de se tenir bien assise sans l'aide d'un tiers. Voilà, il est bien équilibré. Dire que ce matériel ne sera pas gardé dans les écoles, parce que les écoles bénéficieront d'une formation. Parce que d'habitude, quand on reçoit un matériel, on a l'habitude de le garder parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Donc, les écoles bénéficieront d'une formation sur l'utilisation des mannequins. Nous sortons d'Octobre Rose et nous savons que ce mois, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites en vue de prévenir le cancer du col et le cancer du sein, qui sont causes de beaucoup de décès chez les femmes à travers le monde. Et donc la démonstration résumée que nous allons faire, c'est juste pour montrer l'importance de l'examen et de l'auto-examen des seins. Ce mannequin que voici nous permettra de former nos étudiants à cette pratique. Quel est son but? C'est pour déceler précocement d'éventuels
anomalie pour une prise en charge précoce. Et donc, cet examen comporte deux étapes, l'inspection et la palpation. Au niveau de l'inspection, comme vous le voyez, donc nous allons voir tout ce qu'il y a, en tout cas, relatif au sein. Donc on va bien observer, et si nous regardons bien, il y a une asymétrie des deux seins. Le sein droit est beaucoup plus volumineux que le sein gauche. Et nous notons une légère déformation au niveau du sein gauche. À la phase palpation, on divise le sein en quatre parties. Avec la main avec laquelle on va palper, on palpe avec la face palmaire et non avec le bout des doigts. Donc, on divise le sein en quatre quadrants. On palpe de façon concentrée dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens contraire. On presse légèrement le mamelon pour voir les sécrétions. On palpe également le creux axillaire et au niveau claviculaire. Un geste hautement appréciable. Le projet qui intervient depuis peut-être une année dans le secteur de la santé vient apporter une importante contribution en matériel didactique et d'apprentissage destiné aux étudiants dans les écoles de formation en santé. Aujourd'hui, on sait tous que la qualité de la formation a tendance à baisser et ça contribue vraiment à relever cette qualité de formation de telle sorte que les produits qui vont sortir de ces écoles pourront servir de manière très optimale dans les structures de santé. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les indicateurs en matière de santé de la mère et de l'enfant sont en train d'être remis à niveau avec l'ouverture de certaines unités de néonatologie, des blocs sous, mais également de l'agrandissement des services de maternité dans les structures de santé. Alors, former aujourd'hui des sages-femmes, des infirmiers qui vont renforcer ces structures ne fera que contribuer grandement à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et infantile juvénile. Donc ce matériel qui vous a été présenté tout à l'heure comprend vraiment beaucoup de domaines d'expertise. Peut-être que c'est seulement le domaine de la mère et de l'enfant qui a été présenté, mais elle prend en compte globalement la formation qui est destinée aux sages-femmes et aux infirmiers, parce que les sages-femmes sont concentrées sur la santé de la mère et de l'enfant, mais les infirmiers sont également répartis dans les autres services de santé au niveau des structures hospitalières. C'est une première intervention et ça a été fait en phase test. Aujourd'hui, on voit que ça se passe très bien. Et si aujourd'hui, on constate après un an d'utilisation qu'il y a une évolution sur le plan des indicateurs, sur la qualité de la formation, il y aura forcément une mise à l'échelle sur le plan national. Et il ne faut pas occulter le fait que le projet intervient dans quatre pays. Dans chaque pays, il y a quatre écoles qui ont été choisies. Mais il faut juste surtout voir en fait, l'impact que peut apporter l'appui de ce matériel dans ces quatre écoles. Parce que c'est peut-être quatre écoles, mais le nombre de personnes qui seront impactées derrière ces quatre écoles, on l'a présenté tout à l'heure, s'évalue à des milliers de personnes sur l'ensemble du territoire national. Nous travaillons au niveau de Kolda, de Saint-Louis et de Kaolack. Alors, les partenaires de mise en œuvre du projet. La problématique de la formation initiale est une problématique qui est multisectorielle, comme vous le savez déjà. Et dans l'ensemble des pays, la configuration du projet et la configuration même de la formation initiale en santé nous amène à travailler avec plusieurs ministères différents, dont le ministère de la Santé, de l'Enseignement supérieur. Ici au Sénégal, de façon particulière, nous avons en plus le ministère de la formation professionnelle et technique. Nous travaillons avec les associations et collectifs d'écoles privées et ici notre hôte, c'est bien sûr le COSEPS. Nous travaillons également avec les associations professionnelles. Donc nous appuyons les ordres professionnels de la santé, dont les ordres des sages-femmes et des infirmiers pour jouer et les appuyer dans leur rôle de veille par rapport à la formation initiale.
Bien sûr, il y a les écoles et instituts, et je me réjouis de noter vraiment qu'au Sénégal, il y a un partenariat public-privé qui est vraiment remarquable et unique en son genre parmi les pays en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons des partenaires sous-régionaux tels que l'Organisation Ouest Africaine, donc qui dirige l'application du curriculum harmonisé de l'OAS, bien sûr. Nous avons un partenaire qui est basé en Inde, donc qui développe un peu tout ce qui est digitalisation, la plateforme e-learning. Et enfin, IntraElf dirige le processus de mise en œuvre globale. Alors, le contexte, je pense que le contexte, il est plus ou moins connu. Docteur Barbosa en a également parlé lors de son discours. Le contexte, alors, on a un accès insuffisant d'abord aux soins de santé et c'est unique, c'est la même chose dans tous les pays pratiquement, nous sommes au même niveau. En plus, dans l'ensemble de nos pays, nous avons une insuffisance en ressources humaines. Et quand on prend la moyenne en Afrique de l'Ouest francophone, pendant que l'OMS recommande 23 prestataires de santé qualifiés pour 10 000 habitants, aucun de nos pays en Afrique de l'Ouest francophone n'a atteint même les 9 prestataires de santé qualifiés pour 10 000. Et quand vous voyez les chiffres ici, nous avons les chiffres du Sénégal, du Niger et du Mali qui sont tous en dessous de 7, d'une moyenne de 7 prestataires de santé qualifiés pour 10 000. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais cette insuffisance de prestataires qualifiés en plus d'une répartition inégale entre les zones rurales et les zones urbaines crée ce problème d'inaccessibilité donc des soins de santé qualifiés aux populations rurales. Donc, en plus, nos programmes de formation... Les axes prioritaires portent premièrement sur le renforcement du cadre institutionnel, de la gouvernance, parce que quand on parle de pérennisation, de durabilité, comme vous le savez, les projets sont des projets d'expérimentation, ce n'est que des pilotes. Et justement, pour pouvoir mettre à l'échelle et justement avoir cette durabilité à une échelle nationale, il faudra renforcer le cadre institutionnel et le cadre de gouvernance. Le deuxième grand axe du projet porte justement sur tout ce qui est la gestion du curriculum, sur tout ce qui est la gestion de l'approche même d'enseignement de façon pratique, que ce soit les approches techniques, que ce soit également les approches théoriques, à travers le renforcement de capacités, à travers l'application de l'approche par compétences, qui est une approche donc adoptée par l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Le Sénégal ici est inscrit et actuellement je pense que cette approche est appliquée au Sénégal et nous allons renforcer l'utilisation et la mise à l'échelle à tous les niveaux. Voilà, donc justement. Et maintenant le troisième grand axe du projet, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est voir comment doter les structures de santé en outils innovants, outils d'apprentissage tels que le matériel de démonstration clinique et d'autres outils comme l'apprentissage numérique, la digitalisation des modules, de sorte que n'importe où qu'un étudiant se trouve ou n'importe où qu'un enseignant se trouve, qu'il ait accès justement à pouvoir donner des cours, que les étudiants aient accès à ces cours. Donc ça, c'est l'apprentissage en ligne. Le dernier axe du projet porte justement sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Comment faire en sorte que les populations marginalisées, les communautés qui sont défavorisées, qui sont difficiles d'accès, les personnes portant des handicaps également, puissent pouvoir avoir accès à la formation en sciences de la santé et qu'il y ait une équité justement à l'accessibilité des offres, de l'offre de soins, mais également de la formation en sciences. La formation des infirmiers et des sages-femmes. La bonne formation des infirmiers et des sages-femmes évite la mortalité maternelle et la meilleure prise en charge des malades. Administratives, ministérielles, coutumières et religieuses, chers partenaires du projet Krasom Touker, chers collègues, directeurs et directrices des écoles et instituts de formation en santé et vos collaborateurs, chers enseignants, bien chers étudiants, honorables invités en vos titres, grades et qualités,
Je prends la parole au nom et pour le compte des 4 écoles et instituts de santé bénéficiaires ciblés par le projet Création du Caire, qui accompagne et soutient les établissements privés de formation en santé au Sénégal et dans la sous-région. Ce matériel que nous réceptionnons aujourd'hui n'est qu'un élément parmi tant d'activités réalisées par le projet à notre égard. En effet, sous l'égide de Krasum Touker, nous sortons d'un atelier de formation sur l'approche par les compétences. Nous avons également été formés à la silence carité, ce qui a donné lieu à la création et à l'installation dans nos différents établissements de cellules internes d'assistance carité qui sont aujourd'hui fonctionnelles. Ce ne sont là que des exemples d'activités parmi d'autres déroulées ces deux dernières années. Même si des voix plus autorisées que nous ont déjà remercié les porteurs du projet et cette auguste assemblée, permettez-nous de nous joindre à elles pour dire notre merci. Oui, nous sommes reconnaissants à toutes ces autorités venus nous honorer de leur présence et de leur soutien. Nous savons que la santé n'a pas de prix, mais nous estimons que la formation des prestataires de soins est plus que nécessaire. Elle relève d'une urgence capitale pour notre pays. Aussi, nous encourageons les initiatives de notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que celle du gouvernement sénégalais pour la sauvegarde et l'amélioration de la santé des populations sénégalaises. Pour cette raison, nous saluons particulièrement le travail qui se fait entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci de leur accompagnement. Merci à la représentante de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Je veux nommer ici Madame Awafali Diagne, directrice des ressources humaines. Aux autorités étatiques ici présentes, aux directeurs d'hôpitaux, aux responsables de centres et de services sanitaires, aux directeurs de l'Office diocésain de l'enseignement catholique, aux chefs religieux et coutumiers, à tous nos partenaires d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Comment oublier nos partenaires de tous les jours, les directrices et directeurs des centres régionaux de formation en santé, ainsi que leurs collaborateurs pour leur franche collaboration et leur constant soutien. Merci à vous, chers collègues partenaires. Notre merci final s'adresse à Krasum Touker pour leur investissement, leur initiative, leur choix et leur détermination. Chaque mot ainsi employé est rempli de sens et dit plus que nous n'osons imaginer. Le matériel didactique et de formation que nous voyons est une preuve tangible de leur engagement aux côtés des populations sénégalaises pour leur garantir des soins de qualité. Il s'agit en vérité de bien former pour mieux soigner, ou si vous préférez, bien former pour donner des soins de qualité. N'est-ce pas ce qui est attendu de nos futurs infirmiers et sages-femmes formés dans nos établissements et devant servir partout au Sénégal et ailleurs? Oui, assurément. Ce matériel n'est pas seulement destiné aux étudiants en sciences infirmières et obstétricales. Il servira plus encore aux enseignants de nos écoles et instituts de santé. En effet, l'approche par les compétences nous oblige à une mise à niveau et à un renforcement perpétuel des capacités des encadreurs comme des enseignants. Nous accueillons alors ce matériel de dernière génération comme un don providentiel pour des enseignements apprentissage adaptés en vue des soins de qualité pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. La santé avant nous, santé de la mère et de l'enfant de nous. Soyons sociables. La santé avant tout.
Côte d'Ivoire.